L'objectif de l'aventure vous est présenté grâce à la collaboration des partenaires suivants. Carrefour 4640 Toyota, le plus grand concessionnaire sur la rive nord de Montréal. Et du groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs. S'en vient rencontrer Guy Lafrenière pour se faire une pêche à la perche blanche, surnommée aussi le barret. On sait qu'il y en a de tous les formats. Nous, on va essayer de cibler le gros. Suivez-nous! Si on regardait plus à gauche, là, on tomberait avec... OK. OK. Bon, ben, OK. C'est parti. C'est pas très agressif. Je... Et voilà, là je l'ai, là je l'ai. C'est vraiment cette leurre-là, André. Tu vois, gars, ça c'est... c'est... Moi, c'est trop petit pour du keeper, mais ça reste... On a de la visite avec nous. Un beau petit chien. Écoute, Guy, aujourd'hui, on s'en vient retrouver Guy. Hein, on va se faire une pêche ensemble. On va faire connaître aux gens le barret, la pêche au barret. On va parler avec vous comment le cibler, quoi prendre pour l'attaquer, comment servir des sonars, un peu de tout pour justement agrémenter. Parce que ce poisson-là, tu en as parlé hein, sur votre site à vous. Ouais. Tu as fait un article là-dessus, parlant que c'est un poisson qui est un petit peu, comment je pourrais dire, pas méconnu, mais moins... Bien, c'est un poisson qui était une espèce invasive, oui. C'est ça qu'on appelle. Et puis, les gens l'ont pris, ils ont mal pris ça. Ils ont dit, ça va prendre la place de la perche chaude et tout ça. Bon, on en a parlé. Nous autres, ça fait 4 ans qu'on le pêche. Oui. Puis, une fois qu'on le connaît, oui. Puis que les biologistes ont statué sur le fait que non, c'est pas si pire que ça, bien, il est super à manger. Là. Puis, c'est le fun à pogner parce que c'est agressif. Puis, c'est ça. Il faut se servir de tous les outils qu'on a. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Puis, si on a la chance, on va peut-être s'en faire un petit lunch. Ça, écoute, on en prend quelques-uns. On vient d'arriver. Ah oui. On fait un bon filet, puis après ça, on va se faire une petite panure avec bon, ça. Bon, ben moi, je vais m'installer parce que là, je suis en train de changer mon leurre. C'est celle-là, va prendre. Ah oui, c'est ça. Il est petit. Tu es du porte-clés. On les voit sur le sonore, là. C'est... Il y a vraiment des belles lignes. Là, on a ajouté, nous, des asticots. Fait que. Mettre du vivant sur des leurres, ça aide toujours un peu. Des fois, on n'a pas besoin, mais je suis pas sûr qu'on aurait besoin aujourd'hui, sauf que, regarde, on veut se faire un lunch, fait que on va aller chercher du plus gros. Il est tout petit! Il est tout petit. Bien, laissez ça. On est dans un secteur, dans une zone où probablement le barret de ce format-là se tient ensemble. Fait qu'il va peut-être falloir, puis tu sais, on est dans 29 pieds et demi, peut-être descendre vers plus près de 25 pieds, là. Ah boy! Ça part du fond, puis ça part à patrouille, là. C'est intéressant, là. Yes, fish! Ouais. Tu sais, exactement le même format. Même affaire, mais des mots, t'as dit gobeux d'asticot. Fait qu'on va... On va se remettre des asticots encore. Mais faut pas être cheap, ces asticots, moi, te dire. Non, que... faut pas être cheap, les asticots. Puis là, Guy, moi, j'aime bien ta stratégie à matin. Oui. Tu sais, on vient d'arriver, c'est à 5 minutes. Là, tu dis, on commence petit, on va se réchauffer. Oui, exactement. Hein? Puis là, après ça, on va aller plus loin. C'est vrai de ça. Belle faut pas se brûler en partant. Oui, ben non, parce que sinon, on a... Écoute, à 9h30, il fallait partir. Écoute, c'est...
quand j'en ai pris deux, moi, puis ça fait pas longtemps, cinq minutes même pas, puis toi, ça fait trois, quatre dans ce trou-là. On a essayé une couple de trous. Hein, tu t'es retassé un peu par là. On a ciblé, comme tu dis, plus de la terre chaude. Oui. Fait que là, c'est quoi ton plan de match? Et là, c'était déterminé, on a déterminé un périmètre où ce que le barret peut être puis la terre chaude peut être. C'est ce qu'on a fait, on les a trouvés, là. On a vraiment sorti, puis là, hop, on est tombé dans la terre chaude. Ouais. On va se rapprocher un peu, il y a un haut fond, puis on va travailler la bordure du haut fond. Fait que c'est pas compliqué, on va juste se percer encore en 4-5 trous, on va les sonder. On va les essayer. Cette pêche-là, c'est ça, hein, comme tu m'as dit, pour faire des trous. Ah, c'est comme troller à pêche. Oui. Tu vas percer. En fait, les Américains appellent ça troller. Là. Oui. On va percer, on va jusqu'à temps qu'on trouve quelque chose d'intéressant. Puis et là, à partir là. Il va être dans ce secteur. Là, on va cibler ce secteur. Là. Exactement. Ouais, moi, ça a mordu en arrivant. Là. Oh, ça, c'est gros. Ça, c'est. Oh! Excuse. Ça me choque parce que je l'ai. C'est choquant, ta voix partir du fond, là. Ouais, mais je pense qu'aussi, c'est de la peur chaude. Et la perche chaude. Elle est trop petite, c'est pas de la keeper, là. Mais ça devrait quand même pas si tant pire, on va voir. Oh, c'est pas pire. On grossit un petit peu. Yeah! On a grossi un petit peu. Ben là, j'ai changé ma cuillère. Okay. J'ai essayé la fameuse de Denobel. OK. OK, puis c'est le fun, c'est une petite cuillère qui est quand même... Il y a la petite action au centre. Ah, ben oui. Au lieu d'en avoir comme d'autres en bas, elle est au centre. Oui, oui, fait que oui. Ça donne un flash différent. Puis en arrivant dans le fond, regarde, on commence à avoir un petit peu plus un format. Mais là, je m'aperçois, par exemple, les échos sont plus importants. Là. Ah, ça, c'est bon. Ça veut dire que c'est pas nécessairement la cuillère. Il faut faire attention. Mais... Oui, mais tu sais, il y a aussi le fait du temps de la journée qui s'alimente. Oui, oui, oui. Moi, le trou que j'ai, là, c'est non-stop. Ouais. Puis j'ai quelques spécimens comme ça, mais la majorité, c'est plus petit. Mais je descends, c'est bang, bang à tout coup. Là. Mais on va peut-être tomber dans un peu plus gros. Parce que je m'aperçois, regarde comment ça monte, là. Ah, le CP ici, là. On en a trois, presque quatre pieds d'épais, là, dans le fond. Oui. Puis les échos sont plus épais, sont plus larges. Oui. Donc, tu sais, il y a des chances qu'on tombe, là. Alors, on peut pas faire autrement que... Ben non, écoute, hey, il est de bonheur, là. On commence, on est exigeants, nous autres, hein? C'est ça qui arrive. C'est ça. Attends, on devrait pas. Guy, juste pour parler, ta canne, action, quelle action tu utilises? OK, moi, selon l'humeur du poisson, je vais aller de médium à ultralight. OK, je vais juste dans ce range-là. Puis ça va dépendre de la grosseur de mon leurre. Oui. Là, comme c'est là, j'ai une médium, mais j'ai un leurre un petit peu plus lourd. Oui. Parce qu'on est quand même dans 28 pieds. Fait que je vais m'arranger pour mon leurre descendre le plus vite possible quand on a ça comme ça, là, tu sais, un nuage de poisson. Fait que je vais retourner là-dedans. Mais je pense que mon action, c'est léger. J'adore le léger. C'est plus sensible. Puis tu sais aussi, avec une médium, quand tu es creux de même, quand tu fermes, ben, ça s'attire moins. Ce que ça prend aussi, là, regarde, c'est le backbone, là, la branche. Il faut qu'elle ait une bonne rigidité. Quand tu fais ton ferrage, ben, tu as une sensibilité dans le bout de ta canne, mais quand même, tu es capable de ferrer pour avoir de l'action. J'ai remarqué que ta canne est pareille. T'as une action... Elle est plus petite, la mienne, par exemple. Elle est plus petite. Okay. Ouais, ça, c'est une 30 pouces. La grosse mode est d'aller dans les 20, près de 40 pouces maintenant. Oui, là. Oui. Mais je pense que ça, c'est parfait. Ça va super bien. L'important, c'est de s'amuser, avoir un feeling. Puis avec les cannes qu'on a, on a énormément de feeling. Oui. Fait que moi, je suis juste à côté de toi, à peu près à 25-30 pieds. Et, je pense qu'on est pas mal. Là, on a cerné la région. On va se promener tantôt, ici. Ouais. Mais qu'on ait vidé ce trou-là, petit trou-là, on ira dans d'autres. La chaudière va être pleine. C'est bon. Il fallait juste qu'il morde. Ben, on est revenu dans le petit pattern. Mais c'est agréable. La pêche, là, aujourd'hui, fait beau. On est avec du bon monde. On a du plaisir. Et on prend du poisson. Je vais descendre. Garde la montée. Hey, c'est malade. Hey, j'en ai 6 pieds d'épais, André. Ouais, ben là, il est petit, mais c'est pas grave, il y en a d'autres. Tu vois, même pas d'asticot. Oh, c'est mieux un petit peu. En tout cas, un bon combattant. Ouais, faut regarder. On va regarder. On va en garder un peu si on veut se faire un lunch. Ben là, ce qui arrive, c'est qu'on est quand même rendu à 10h30. On a
découvert ou trouvé l'espace où il y a du barret. On en a des échos intéressants sur le sonore, sauf que notre leurre, il est soit, d'après la réponse qu'on a au poisson, trop gros, trop petit, ou pas de la bonne couleur. Donc, ce qu'on fait, c'est que justement, on travaille les trous qu'on a déjà fait, puis on va voir avec une présentation de couleur bleue, d'une chartreuse, d'un couleur Fire Tiger, on va voir la réponse du poisson. Et c'est là on essaie erreur. On commence à trouver un petit peu à grossir. Si on veut se faire un short lunch, on va en mettre de côté. On en a pris du barret aujourd'hui. Écoute, on est encore en avant-midi. Là, on va aller se faire un short lunch. Hein? Tu vas nous faire un petit short lunch. On va aller luncher ça. Écoute, on en a pris beaucoup de barret aujourd'hui, mais la grosseur qu'on voulait, on ne l'a pas trouvée. C'est pas tout le temps évident, hein? Non. Non, regarde, c'est une pêche. C'est un peu comme les autres poissons. Puis on a trouvé le poisson. Oui. Mais on n'a peut-être pas trouvé la grosseur qu'on cherchait. On a-tu du fun? Ah, regarde, moi, je trouve ça plaisant. Numéro tout un. Un défi, ça. Oui, c'est ça. Ça, c'est un défi. C'est ça qui est le fun de cette pêche-là. Tu sais, vous avez des jeunes enfants. Ah, ben oui. Hein? Ça, c'est la pêche qu'il faut faire. Écoute, Génissie, ma petite fille, elle a 7 ans à ça. Ouais. Puis regarde, tu tombes dans le trou. C'est plaisant en route. Là. Ils ne peuvent pas faire autrement qu'aimer ça. Ben non, ils ne peuvent pas faire autrement. On a initié même un chien aujourd'hui. On a initié un chien. Non, mais sérieusement, je te remercie encore une fois. C'est un plaisir, André, comme d'habitude. Ben oui.